Mon truc à... On va se lancer dans l'agriculture, ça y est, on va enfin le faire. Depuis le temps que j'ai envie de test. Qu'est-ce qui... Ah bah oui, ça. Waouh, exclusivité live, exactement. Exactement, on exclut live, rien que pour vous. On va se faire de l'agriculture. Alors, pour faire de l'agriculture, il faut un bac. Meubles, soins, épuration, ventilation. Déjà, je galère à trouver. Nourriture. Déjà, il faut une jardinière. Abrite une plante unique qui produira périodiquement de la nourriture ou des médicaments. C'est ce qu'on veut. Fait pousser une seule plante quand une graine est plantée, peut être utilisée comme plancher, peut être tournée avant l'installation. Bonjour. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 jardinières. On va commencer par 4. Hein, on a quoi? On a des graines de Melwood, on va en mettre 5. Allez. 5 jardinières. Même si l'oxygène ici... Pourquoi tu ne marches pas, toi? T'as pas d'énergie. Ah! Oh putain. Énergie. Ah oui, parce qu'en disant, hé, hey, démoli, j'ai fait démolir ce qu'il fallait pas aussi. C'est pas grave. Ça, c'est normal venant de moi. Donc. Ah bah là, il y a encore des graines de Melwood et tout, déjà là-dedans, quoi. Trop marrant. Alors, continue à ramasser ceci. Enfin, va re-ramasser cela. Préhorizon. Salut Kix League, bonsoir à toi. Salutations. Donc, la jardinière. Ok, on va lui dire donc. Pas de graines choisies. On a du Melwood. Plante un Melwood. Plante un Melwood. Plante un Melwood. Un Melwood. Ah oui, lui il produit des poux. Ok, lui il produit des baies hérissées. C'est carrément du mushroom, mais on a zéro plante. Ah oui, d'accord. Bah c'est bien, s'il y a du pou, au moins on va pouvoir faire autre chose ici. Plante. Et ici, arrête. Et aller ramasser ça pour mettre dans le frigo. À 31 000, on est bien. Alors... Putain, la pression, l'oxygène. Une plante robuste qui peut être plantée dans une jardinière. Les Melwood produisent un céréal étrange, mais néanmoins comestible, qui peut être récolté comme nourriture. Ok. Pas de soucis. Donc, ben voilà, là on est parfait. Donc il faut... Une température entre 10 et 21 degrés. D'accord. Donc c'est des quoi? C'est des Millwood. Je pense que j'ai des trucs.
pour récolte du gaz, relâche du gaz. J'ai pas un truc de. Voilà, c'est pompe le gaz à travers les tuyaux, doit être immergé dans le gaz, c'est conduite de gaz pour se faire la faire partir. Puis j'ai un chauffage aussi. Utilitaire, voilà, j'ai un chauffage, un chauffe-eau, un régulateur thermique, refroidit le gaz produit au travers, mais dégage la chaleur. Oh là là. Ah bref, je vais planter des millwood et puis voilà. C'est facile l'agriculture, en fait. Tu plantes, t'attends, et puis tu vas récolter. Voilà. En exclusivité monde. Et ben voilà. L'agriculture devant vous, mesdames et messieurs, juste là, c'est facile. Là, juste là. Là, là. Ah oh, putain, je galère. Là. Bref, ici. Là, ici quoi. Putain. Vas-y, va planter des graines velues. Si j'active pas en disant vas-y plante, ça va pas le faire. Hop là. Voilà, la graine velue, c'est parfait. On attend d'irrigation, illumination. Sérieusement? Faut qu'elle ait de la lumière, c'est. Oh putain, c'est de la merde. Un plafonnier. Allez, on va lui mettre un plafonnier juste ici. Hein. Comme ça, elle sera contente. Plante de merde. Putain, quoi. Oh là là. Allez, 54% de système immunitaire. On est bien. En pause. Ah bon, il y a des gens en pause. Attends, comment ça, il y a des gens en pause? Ça va pas? Genre, tâche, Max. Max, pourquoi est-ce qu'il est en pause? Peut pas faire la cuisine, mais il peut nettoyer, il peut récolter, il peut ramasser. Il y a des trucs à ramasser, hein. Hein, c'est pas la colonie de vacances ici, hein. Car il est libre, Max. Ok, ouais, faut croire. Je valide cette blague. Allez, d'accord. On valide. Et là aussi, il y a des trucs à ramasser. Putain, les gens, arrêtez d'être en pause pendant que tous vos potes travaillent, quoi. Oh là là. Ah tiens, là, on est passé à... Ah oui, d'accord, ok. Là, il y a encore une tonne, mais ici, il n'y a plus que 160... Ok, quoi. Bon, après, même s'il y en a qui disent qu'ils ont vu voler... Ouais. Qu'est-ce que t'essayes? En pause, sale la diarrhée. Sérieusement. Arrêtez d'avoir la chiasse, quoi. Je dois vous construire ça, comme ça vous allez pouvoir construire. Oh là là, quoi. Ah bah, c'est totalement ça, ouais. Oh putain, et c'est la nuit. Oh là là. Bon alors. Donc on a des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau sales. Je vais pas les relâcher là ou là, quoi. Parce que là, c'est dégueu. Ah, pousse, hein, 38%. Là, ça attend toujours cette putain de lampe qui attend ici. 50 minerais de cuivre. Allez, construit. Voilà. Tadam! Ça y est, vous allez pouvoir pousser maintenant. Les fleurs velues, là.
Ah, et tout est rempli. Eh ben d'accord. Eh ben construisons une dalle en plus. Non mais non, une dalle j'ai dit. Une dalle et deux stockages. Parce que là, vous remplissez quand même vachement rapidement tout le truc. Oh putain, on est à 13 000 de bouffe. Refaire de la bouffe. Refaire de la bouffe en continu. Vite! Production insuffisante d'oxygène. Non, mais ça passe. J'avoue que là. J'avoue que là. Bon. Voilà. Oxygène, un terrarium ici. Voilà. On a quoi? Ok, la bouffe remonte ici, c'est bien. Et franchement, on est bien mieux que la première partie que j'avais fait il y a 0,2 cycles. Oh putain, il y a un nouveau qui arrive. Oh non. Oh, le truc d'eau ici, j'avais pas vu du tout. Putain, heureusement que j'ai préparé les dalles ici. Ok, dans 90 secondes, 90 secondes. Tu peux pas empêcher les nouveaux d'arriver. Si, si, on peut refuser, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand les nouveaux arrivent, ben, c'est toujours bien parce que ça fait de la main-d'œuvre. Pour ben ça fait de la main d'œuvre. Mais là, je pense que je vais en accepter un sur deux. Ça commence à y avoir de la gueule là, à la base, hein. Même s'il n'y a pas tout ce que je voudrais. Je mets les plantes en priorité 6, comme ça elles sont un petit peu plus importantes que la base, mais c'est pas non plus the truc extrême qu'il faut prioriser à mort. Par contre, ouais, quand on a besoin de bouffe, la bouffe passe à 6. Du coup, ça c'est bon. Puis on va préparer le nouveau, voilà. Le nouveau duplicant est là, du coup on va mettre tout ici à 9, comme ça tout le monde va passer sur ça en grosse priorité. Alors le nouveau, qu'est-ce qu'il est? Alors, créativité, science. Oh lui j'aime bien. Niveau architecte. Bon, il respire par la bouche et il se consomme 100 grammes par seconde. Bon d'accord. Ou alors un culturiste. Efficience de la vessie, moins 50%. Oh ça c'est va. Lui, il a l'air pas mal. Immunité, science, force. Mais là, j'aime bien aussi. Il est plus en tout. C'est vraiment un niveau 1 polyvalent. Ouais, je vais prendre le polyvalent. Esthétisme, moins 20. Réponse au stress, vomito. Oh putain, il vomit quand il est stressé. Super. Travaldo. Allez, Travaldo. Rejoins l'équipe. Labo. Bon, allez, on va chercher quoi? L'agriculture? Utilise de l'eau polluée pour produire du fertilisant. Parfait, c'est ce qu'il nous faut en fait. C'est ce qu'on veut. Oh tiens, la ferme hydroponique, ça me rappelle Stellaris quoi. Moi je connais quelqu'un qui vomit quand il est content. Ouais, bah heureusement que c'est pas mes persos quoi. Ah ouais. Réponse à quand il est content, il vomit. Ok, ben lui, on va le stresser à mort. Comme ça, on est sûr que lui, c'est bon quoi. Ouais, donc l'agriculture, hein. Hop, voilà. Comme ça, il y aura des recherches à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oh, putain, ouais, juste. Et quand il est content. Ah bah c'est simple, je le prends pas dans mon équipe. S'il vomit quand il stresse et quand il est content, laisse tomber.
Bon, mis à part ici que l'atmosphère est complètement irrespirable, mais que les Millwood sont super contents de ça, bah ça se passe. Je me demande la barre ici, c'est que c'est. C'est quand douche ne pompe pas. D'accord. Ok, la douche ne pompe pas. Bon. Alerte. C'est grave. Ouais, je sais bien, le système immunitaire. On a frôlé la catastrophe. Enfin, non, il y a une mini catastrophe quand même avec l'INSEE qui s'est quand même chopé un peu trop de trucs. Mais ça va. Elle s'en est remise. Oh, toutes les algues qui sont là. J'ai combien d'algues encore? Organique. Ok, ça va. J'ai encore 7, 7 tonnes d'algues. Ça va. Et là, au lit tout le monde! Ouah, tout le monde va dormir! John Travaldo. Et je vais construire ben, la deuxième. La deuxième salle de bouffe, hein. Hop. Bon. On creuse bien large comme ça. Enfin, on prévoit bien large comme ça, ils peuvent bien préparer les trucs. Et alors, meubles, la table d'hôte. La table d'hôte. Ici. Toilette sèche doit être vidée. Ben, videz-la, les gars. Ok, on a combien? 29 000. Bon, bah lui, il va devoir. Lui, il va encore faire un. Quand lui finit, je lui arrête sa barre de mush. Ah, quoique, on est à 28 000. C'est con. Faut prévoir l'arche. Mais qu'il est con. Ah, ouais, d'accord, ça. La barre de mush consomme 2000 calories. Mais pour avoir une. Mais pour sortir 1000 calories. De qualité horrible. Là, c'est quoi comme qualité? Immonde. Ah, d'accord. Et ça provoque la chiasse. Ah, bah voilà pourquoi est-ce que. Ok. Ok, voilà pourquoi est-ce que tout le monde a la chiasse dans mon équipe. C'est parce qu'ils n'arrêtent pas de bouffer des. En fait, ils bouffent de la merde. Et du coup, comme ils bouffent que de la merde tout le temps, à longueur de journée, eh bah. Enfin, voilà. Ah, c'est ça, ça provoque la diarrhée. Tandis que le Life Cove, non. Vomis, chia, ça donne envie ton jeu, dis donc. Je sais, Oracti. C'est un jeu très intéressant sur la vie communautaire quand t'es dans la galère. Ok, je regarderai le lien après le lien YouTube. Ah, ça galère, hein. Là on a lancé les recherches du coup. Systématique avec ton jeu. Ok. Là on a lancé les recherches du coup. On a lancé la recherche de la bouffe, le truc de cuisine. Du coup là il est pas bien pour faire. Qualité bon. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas. Du coup je ne cliquerai pas. Ah, si, ça va. Ça devrait aller. Venant de Geeks League, j'ai confiance. Je devrais pas, mais j'ai confiance. Allez, ici, on a bientôt épuisé toute l'eau. Je suis content, mais non. Ah, mais non, parce qu'il y a plein d'eau là, donc ça va. On a encore pas mal d'eau ici.
Du coup, je pense que... accepte tout, toi. Oxygène pollué, putain. Du coup, je pense que quand j'aurai fini l'eau ici, je vais construire un... Où est-ce que c'est? Ici, un bottle emptier pour vider les bouteilles dans le monde. De se construire sur un sol solide. Congé demain? Non, non, pas du tout. Absolument pas de congé demain. Parce que si je construis une dalle ici, ils peuvent aller la construire. Ouais, ils peuvent aller la construire. Parfait. Et ah bah, c'est l'heure. C'est l'heure d'arrêter. Et justement, le Millwood. La récolte est prête. La récolte est prête aussi. La récolte est prête sur chaque. Parfait. C'est dégueu, hein. On va attendre que les deux autres ici aient fini aussi. Comme ça, on pourra leur dire, hey, allez récolter. Mais on s'en sort bien, là. Quel dommage, on n'avait pas entamé le thème du... Eh ouais. Allez, on va leur dire. Eh, les Millwood ici sont à... ça récolte, ça y est. C'est bien, ça va tout seul. Ça récolte auto. Enfin, ça récolte. Ils vont juste récolter, puis après, c'est tout, quoi. Le truc est juste là, posé en mode. Ouais, c'est ça quoi. Et du coup, ici, je peux leur faire. Je peux faire du life coffre. Ouais, je peux en faire. Bon, après, on est à 32 000 de bouffe, donc. Au moins, je peux juste faire un truc de qualité horrible. Maintenant, je peux leur faire un truc de qualité horrible qui ne leur donnera pas la chiasse. Et qui les calmera un petit Bon ben voilà, où en est la base actuellement. On verra le quand on reprendra le stream, quand on reprendra le jeu. Hop, sauvegarde. La Ligue Lunaire. Sauvegarde. Le immunity pour qui? C'est qui? C'est Nicolas. Qui est celle qui a la diarrhée. Oh là, ben ça, qu'est-ce que tu veux? Donc voilà. On va se laisser là pour ce soir. Merci d'avoir regardé ce stream, d'avoir regardé cette VOD sur Life, sur Oxygen Not Include et juste avant sur, sur Tyranny qu'on a fini. Rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, jouez bien, ne lâchez rien, amusez-vous dans ce que vous faites et n'oubliez pas, le jeu c'est la vie et la vie est un jeu. Ciao, ciao.